passé, puisque avant la grand-mère Immaculata, j'esquisse quand même le portrait de l'arrière-grand-mère Anastasia, qui elle a connu la colonisation. Et donc c'était aussi pour mettre le présent absolument dans une continuité, en tout cas en perspective, avec ce qui s'est passé depuis 50 ans dans ce pays, en racontant aussi ce qui s'est passé dans la rencontre. Et quand je dis rencontre, évidemment, je mets des guillemets parce qu'on sait bien que ce n'est pas toujours une rencontre choisie, que ce n'est pas une rencontre à proprement parler, mais entre l'Occident et l'Afrique, ou en tout cas entre la Belgique, la France et le Rwanda. Alors, il y a deux éléments clés dans votre livre. Un élément général, c'est, et on peut le dire d'emblée, vous sortez du cadre d'un certain manichéisme, parce qu'on a vu ce génocide, ce conflit, avec un côté très structuré parfois dans les médias. Là, on est hors champ, on voit entre guillemets, la vraie vie des gens. Et puis, à titre personnel, mais je ne savais pas qu'un jour je lirais votre livre, ça m'a marqué votre livre, parce que je me souviens, j'étais à un salon consacré à la technologie à Paris, donc des start-up, etc. Et je suis resté planté assez longtemps, pendant une demi-heure, c'est long, devant le stand du Rwanda, en me demandant dans cette foule qui animait le stand, qui étaient les Hutus, qui étaient les Tutsis. Alors j'étais très bien accueilli, on m'a expliqué la modernité du Rwanda, mais il y avait cette part d'incompréhension en fait. En regardant ce stand, ces gens-là, et j'y repense en lisant votre livre, on se dit qui était où, de quel côté, quel travail d'amnésie aussi peut-être il a fallu faire pour reconstruire après. On aura l'occasion d'en reparler. Vous, Olivier, aussi, le père de Marwan, votre personnage, donc ce professeur, ce père qui, a priori, est, et c'est le moins qu'on puisse dire, très bien intégré, il vit en banlieue parisienne, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est un choc pour le personnage, d'abord, ce professeur, qui est Marwan, d'apprendre que son père veut finir éternellement ses jours au Maroc. Mais pourquoi, vous aussi, il vous a semblé que le père était un personnage essentiel comme point de basculement dans votre récit? Déjà, il ne veut pas finir ses jours, hein. Il veut finir, il va éternellement. Enterrer, là. Oui, oui. Vous avez souligné un jeu de mots dans mon roman, dans le titre de mon roman, et en fait, il y a un double jeu de mots, parce que je suis peut-être interprété comme le verbe être et le verbe suivre. Donc, ce sont le roman, ne serait-ce que par le titre, donne l'indice qu'on va parler des personnes qui nous précèdent. Et bien entendu, les personnes qui nous précèdent, ça commence par nos parents, et souvent les grands-parents aussi. Et je me rends compte que les générations ont des influences qu'on ne connaît pas sur notre existence. On hérite de choses qui sont arrivées à nos grands-parents et qu'on ne connaît pas forcément, et qui sautent une génération et qui nous affectent profondément, alors qu'on n'en a jamais parlé, mais on sent qu'il y a un malaise, il y a un doute. Moi, je ne suis pas du tout marocain, j'ai jamais vécu au Maroc. Ce qui est surprenant quand on écrit un premier roman, c'est que les gens s'imaginent autour du roman qu'on a écrit que c'est une autofiction. Et donc, la plupart des personnes m'ont demandé, mais vous n'êtes pas marocain, à vrai dire. Et je ne le suis pas, en effet. Mais je crois que les problématiques sont universelles. Et c'est le propre de la littérature, tout de même, d'essayer de trouver une universalité dans le propos. Et tout ce que mon personnage ressent, tout ce qu'il a hérité de ses parents, tout ce malaise et ce conflit d'identité, c'est quelque chose dont je peux témoigner sans être marocain, puisque moi aussi je suis multiculturel, mais uniquement européen. Donc la seule chose que je n'ai pas vécue et que mon personnage vit, c'est le racisme lié à la couleur de peau. Mais bien entendu, on ne peut pas échapper à l'héritage de ses parents et de ses grands-parents. C'est quelque chose qu'on est. C'est une des rares choses à laquelle on ne peut pas échapper. Voilà, précisons que vous êtes franco-britannique et que vous pratiquez régulièrement la boxe et l'humour. Et donc, ah oui, la littérature. Je vais essayer d'éviter les deux. Voilà, quoiqu'après, on peut boxer l'imaginaire pour le faire aller plus loin. Lou aussi, c'est un point de basculement pour votre personnage. On démarre le livre avec cette jeune femme photographe assez libre, hein, qui a certes des origines asiatiques, mais ce n'est pas le point d'alpha et d'oméga de son quotidien. Elle est portée sur plein de choses, elle est passionnée par la photographie. Et là aussi, le décès de la grand-mère, et elle se trouve emportée dans ce départ vers le Laos. Donc c'était également pour vous, comme le soulignaient Olivier et Beata, une sorte de personnage clé qui vous révèle ce que vous êtes et ce que vous êtes aussi sans le savoir. Oui, c'est exactement ce que vient de dire Olivier. On hérite de ce qu'ont vécu, de ce qu'ont été nos ancêtres. Dans le cas de mon personnage, elle est née au Laos. Elle a grandi en France, sans enfance au Laos, puisqu'elle avait un an au moment du départ. Donc elle s'est construite une vie française, hein, tant qu'elle
comme elle l'a pu, avec une liberté volée. Mais ce retour au Laos lui révèle des résonances profondes de sa grand-mère, de son grand-père, qu'elle a connu à distance, avec une image mythifiée, voilà, vraiment presque sacralisée en fait, en tout cas figée dans une histoire familiale qui est comme un mythe. Et l'occasion de ce deuil, c'est de redécouvrir ses grands-parents en tant que personnes qui ont vécu aussi des histoires d'amour comme elle, qui ont traversé des choses personnelles, intimes, qu'elle aussi a connues, et elle se retrouve une proximité vraiment inattendue avec chacun d'eux. Alors il y a cette proximité avec ses racines, ou en tout cas une tentative de s'en rapprocher. Il y a un autre élément saillant dans vos trois livres, c'est le nom NOM. Alors ce nom, il nous représente d'ailleurs, Olivier, c'est intéressant, vous disiez je ne suis pas marocain, et c'est vrai que c'est la première curiosité du lecteur, on se dit Olivier Dorchamps c'est peut-être marocain, on peut chercher, mais la recherche s'avère vaine. Mais en tout cas l'histoire du nom donc, qui représente ce que l'on est, il est essentiel dans vos livres, et Beata, on en a évidemment une expérience avec, à première lecture, une ironie puisque votre héroïne s'appelle Blanche, donc on l'interprète comme on veut, et puis après, il y a cette scène où donc votre héroïne vit en France à Bordeaux, elle est, j'ai employé ce mot que j'aime pas, intégrée, mais en tout cas elle a un compagnon, ils ont un enfant, et il y a cette scène où ben, finalement il faut donner un nom à cet enfant né en France. Et donc Samora, hein, c'est donc le compagnon qui a la lourde charge auprès de votre héroïne de dire ben, ça y est, j'ai fait les formalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, bon, c'est une formalité, on se met d'accord sur le nom, le prénom, tout le monde est content, et puis on tire le champagne. Et là, vous nous donnez à entendre ce passage de votre livre. Samora me tendit fièrement le livret de famille où était désormais inscrit notre fils. Dans une écriture aux lettres rondes et conventionnelles figurait le premier prénom, Stokely, correctement orthographié. Je sursautais en découvrant qu'une lettre avait été modifiée pour le deuxième prénom. En lieu et place de la petite colombe Kanouma, je lus et relus pour m'assurer que mes yeux ne me trompaient pas. Kumuna. Puis, éclaté d'un rire nerveux, il y a un problème, sentit Samora, déjà occupé à bercer Stokely dans ses bras. Je lui montrai la lettre erronée. C'est son hésitation qui me laissa penser que la faute venait de lui. Cette signification du nom, elle est extrêmement importante parce qu'elle se, au-delà bien sûr de cette confusion du conjoint, ce nom il joue un rôle important parce qu'il est un identifiant pour les autres et il est un identifiant pour soi aussi. Est-ce que c'était aussi une des dimensions qui a accompagné votre écriture ? Oui, absolument. En fait, c'est un roman sur les identités assignées et la lutte pour avoir une identité choisie. Et pour vous répondre, mais en faisant le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce questionnement que vous aviez en voyant des Rwandais qui est Hutu, qui est Tutsi. Le drame, et je dis bien drame et pas tragédie parce que c'était pas inéluctable, mais cette histoire rwandaise, c'est ce qui est aussi terrible, c'est que de se dire 2021, vous vous posez ces questions-là parce qu'en fait, vous n'en avez aucune idée. Et c'est de là qu'est venu le problème fondamental, c'est-à-dire que les Occidentaux sont arrivés en 19e siècle au Rwanda, ont vu qu'il existait des Hutus et des Tutsis qui n'étaient ni des races, ni des ethnies, ni aucune des conceptions ou des cases que la fin du 19e siècle, avec toutes ces théories de l'égalité entre les races, avait en Occident. Ils vous ont vu un peuple qu'ils n'ont pas compris. Les uns étaient agriculteurs, les autres étaient éleveurs. Et ils les ont figés dans des identités en disant, voilà, ce sont des ethnies, les Hutus, les Tutsis, les Twa ont la même langue, la même culture, la même religion, donc a priori ne devraient pas être considérés comme tels. Un siècle après, il y a un génocide avec une organisation politique très construite. Et aujourd'hui encore, les gens dans le monde se demandent qui est Hutu, qui est Tutsi, est-ce que ça se voit sur le visage, etc. Parce qu'on n'a toujours pas compris ça, on n'a pas suffisamment expliqué cela. Et dans mon roman, il y a bien évidemment cette histoire d'identité Hutu-Tutsi, mais il y a l'identité métisse, mais il y a aussi effectivement ce qui se dit dans les noms. Et là encore, finalement, avant la colonisation, on avait un nom qu'on vous donnait à votre naissance qui était un nom qui pouvait avoir une signification par rapport aux conditions dans lesquelles vous étiez né, à ce qu'on pouvait vous souhaiter. Et puis,
avec la colonisation, avec la christianisation, c'est devenu un nom de famille, mais qui ne se transmet pas de père en fils, ou, et puis un prénom chrétien. Et donc cet enfant-là, qui naît de l'autre côté du désastre, qui naît en France, les parents veulent lui donner un nom rwandais. Mais du coup, comme ça ne peut pas être le nom de famille de la mère, Uwikeza, parce que c'est un nom de fille et qu'elle ne peut pas le transmettre à son fils, on lui donne un nom rwandais. Et le nom rwandais, qui devait être un symbole, Kanuma, la petite colombe, devient, par une erreur du père, qui ne parle pas le Kinyarwanda, Kunuma, se taire d'un silence absolu. C'est ce verbe-là qui est très symbolique pour cet enfant qui naît avec un frein sous la langue et qui naît dans une famille où on ne se parle plus. Et donc toute la force de la mère, tout le combat qu'elle va mener, Blanche, ça va être justement de ramener la parole, de faire qu'on ne se taise plus, qu'on se parle de nouveau, et de soulever le couvercle du chagrin pour qu'enfin les échanges puissent se faire et qu'une transmission apaisée puisse se faire. Et je pense que c'est aussi la question de la transmission apaisée, malgré des données de départ extrêmement violentes ou extrêmement difficiles. C'est aussi ce qui relie les personnages de nos trois romans. Effectivement, c'est un bel art de la synthèse. Merci, Beata. Et vous ne pouvez pas mieux le dire, parce que Olivier, vous l'avez dit, vous n'êtes pas marocain, mais ça, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est une pointe du mot. Mais en tout cas, vous évoquez cette situation parce que votre héros a évidemment, c'est pas évident, mais en tout cas, il a un frère qui s'appelle Ali. Et il y a ce passage où Ali réussit et on apprend que Ali m'avait affirmé avec l'aplomb des bons menteurs qu'il s'agissait d'une erreur de l'imprimerie et qu'il avait été furieux, crois-moi, en déballant le paquet de cartes de visite. Pourquoi Ali dit qu'il est furieux en voyant le carton de cartes de visite? Tout simplement parce qu'il ne se fait pas appeler Ali dans son métier d'avocat, mais Alexandre. Et alors, en plus, après, vous rajoutez via votre narrateur une phrase très très forte qui peut résonner aussi à l'aune de tout ce qu'on se dit en ce moment. Ce jour-là, grâce à mon frère jumeau, j'ai réalisé que la plus grande honte, ce n'est pas d'avoir dit ou fait quelque chose que l'on regrette. Ce n'est pas non plus l'embarras que l'on peut ressentir pour ses parents ou ses origines. Non, c'est celle que l'on éprouve vis-à-vis de soi-même. La plus grande honte, c'est avoir honte de qui l'on est. Et il faut dire que cette histoire d'Ali Alexandre, elle n'est pas que fausse, puisque vous vivez en Grande-Bretagne et vous avez des amis iraniens, c'est ça, qui ont dû... Mais vous êtes bien renseigné. Oui, mais vous savez, on est à lecture en tête. Oui, en effet, j'ai un ami iranien avec qui j'ai fait mon université de droit en Angleterre et qui cherchait du travail à l'issue de notre diplôme. Et à chaque fois qu'il envoyait il s'appelait Ali, et à chaque fois qu'il envoyait son CV, il avait une réponse négative. Alors, on n'en tirait pas nécessairement de conclusion, mais les noms iraniens sont rarement, comme ce sont des Perses, ils n'ont pas de consonance arabe. Et ils peuvent passer pour des noms européens. Et donc, on lui a dit un jour, pourquoi tu changes pas de prénom pourquoi tu ne te fais pas appeler Alexandre? Et il l'a fait, il a trouvé un boulot tout de suite, un entretien en tout cas. Donc, ça vient d'une histoire vraie, c'est vrai, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Je crois que la honte de qui l'on est, c'est le cœur de tous les conflits d'identité, quelle que soit l'identité, qu'elle soit ethnique, sociale, religieuse, sexuelle, culturelle. On a toujours et c'est sain à la limite. Je trouve que c'est très sain de rejeter qui on est à un moment à l'adolescence. C'est naturel. Mais c'est comme un accordéon, c'est-à-dire qu'on rejette qui l'on est pour à un moment se rapprocher de ses origines et accepter qui l'on est. Donc je comprends très bien ce qui arrive à Ali, et je comprends très bien que Marwan ne le comprenne pas. Et la raison pour laquelle j'ai choisi des frères jumeaux, c'est parce que dans la gémellité, souvent on se construit par opposition à son jumeau ou à sa jumelle. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir des frères qui ont un héritage commun, qui ont une éducation commune, même s'il s'est passé un événement avec le père des garçons. À un moment, quelque chose est dit et c'est mal interprété, et donc Ali en souffre. Mais l'un des deux construit son héritage culturel sur cette honte, cette colère. Il est vraiment en colère contre son héritage. Et l'autre, il va plus par tâtonnement, Marwan, donc le héros. Et finalement, au cours du roman, on s'aperçoit qu'ils vont dans la même direction et finissent par se rejoindre à la fin. Et c'était...
C'était un peu le but de mon histoire, c'est-à-dire que à un moment, lorsqu'on est en conflit avec soi-même, avec ses parents, ses grands-parents, tout cet héritage, on finit par accepter qui l'on est et on se réconcilie avec cet héritage. Alors à lecture en tête, on fait dialoguer les livres, on fait dialoguer les auteurs, et ce que vous venez de dire, Olivier, ça peut sans doute susciter des réactions de Lou et Beata sur le fait d'avoir, ce que vous disiez, hein, honte de ce que l'on est. C'est quelque chose qui a traversé aussi votre inspiration, Lou, quand vous êtes partie dans l'écriture de ce livre. Je m'empresse de rajouter aussi que votre héroïne, elle est confrontée à un frère qui n'a pas réussi, c'est un euphémisme, mais en tout cas qui s'est dégradé au fur et à mesure du temps. Et elle se trouve confrontée aussi à ce regard que les autres portent sur elle, dont son frère, qui lui dit... Les Vietnamiens restent des Vietnamiens, c'est ça ton identité. Tu as beau avoir grandi ici sans aucun souvenir de notre pays, tu n'es pas française, tu es. Et tu seras toujours une Vietnamienne, dans ta voix résonnait l'orgueil immense. Cette salle manifamiliale, tu parlais au nom de tous, ta voix portée par celle de tous les autres. Et d'ailleurs, votre héroïne rajoute, toujours une Vietnamienne, j'ignore ce que cela signifie. C'est cette dualité, cette incompréhension. Bon, on a un nom, NOM, mais en même temps, on porte quelque chose qu'on n'a pas conscience de porter. Oui, alors mon héroïne, elle n'a pas honte de ce qu'elle est, puisqu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle est française, elle est vietnamienne, mais en effet, n'ayant pas de souvenir de son enfance au Laos, hein, être vietnamienne, ça ne veut pas dire grand-chose pour elle. C'est quelque chose qui est extérieur à elle. Ça fait partie des pratiques familiales, de l'identité de sa famille. Mais elle se sent étrangère à tout ça, tout simplement parce que les habitudes, la morale qui est vécue par cette famille et est pratiquée par cette famille est complètement contraire à ce qu'elle veut vivre et elle ne la comprend pas. C'est une philosophie familiale qui est pétrie de tabous, en fait. Et beaucoup de tabous moraux sur ce que doit être une jeune fille convenable. Donc, s'il y a conflit en elle, c'est pas tant au niveau d'avoir honte de ses racines, mais c'est de savoir tout simplement ce que sont ces racines. Et puis, ce que revendique le frère, c'est cette identité vietnamienne qui, avec l'exil, en fait, c'est condensé, c'est renforcé. Il y a ce phénomène qui arrive souvent dans les familles exilées où on est tellement attaché à ces traditions d'origine qu'on les exagère, en fait. Et certainement que la famille de mon héroïne a, selon ses propres mots, exercé une petite dictature familiale parce qu'elle a pratiqué ces tabous plus que de raison, plus que les Laotiens ou les Vietnamiens qui sont restés sur place. Et donc, pour en revenir à cette histoire de nom, mon héroïne n'a pas de nom, sa famille Effectivement. N'a pas de nom, les grands-parents n'ont pas de nom, la grand-mère porte un surnom, qui est la grand-mère, mais en chinois, pas en vietnamien. Les seuls noms qui apparaissent sont un nom français, Madeleine, qui était la maîtresse du grand-père, le nom de la voisine vietnamienne. Mais j'ai choisi volontairement de ne pas attribuer de nom à ces personnages et à cette famille parce que ce ne sont pas les noms qui vont les définir. Ils ont des identités multiples, sont des exilés. Même la famille vietnamienne du Laos est au départ déjà une exilée et doublement ensuite exilée en France. Donc c'est une complication, c'est une complexité qui est stratifiée, qui s'ajoute les unes aux autres. Mais pour comprendre la problématique identitaire de mon héroïne, je vais aller au cœur de ce qu'elle est, c'est-à-dire un endroit où elle n'a pas de nom, justement. Dans une zone de non, pas non-droit, mais de non-identité. Vous parliez à l'instant, Lou, du rapport qu'on peut avoir d'exagération aux origines.
Il y a bien sûr dans votre livre ce qui est montré sur le Laos, mais cette exagération vis-à-vis des origines, on la retrouve aussi, Beata, avec ce phénomène. Alors, cette exagération, elle n'est pas le fruit de votre héroïne blanche, elle est le fruit du compagnon, mais c'est un élément qu'on ne trouve pas toujours évoqué finalement, parce que c'est presque, ça peut parfois être difficile à raconter. Vous le dépeignez avec beaucoup de. Du côté factuel et d'humour. Et à un moment, on découvre effectivement que cet enfant dont on a parlé, il est passionné par la musique, ce qui est plutôt une bonne chose. Et là, on se rend compte que peut-être est-ce l'exil, que même cette activité culturelle peut devenir source de questionnement, puisque le compagnon ne trouve pas ça extraordinaire et il s'en trouve exclu. Et vous écrivez, il a pris la posture du railleur, répétant qu'il se méfiait de cette langue où une blanche valait deux noires, et aller jusqu'à interroger l'origine du bois d'ébène dans lequel leur clarinette avait été taillée. Le fils n'y a pas prêté attention. La mère, toujours l'esprit en alerte pour prévenir la moindre fissure, a proposé des ponts. Quand nous serons assez bons, nous pourrons jouer des standards préférés de jazz. Lui, de mauvaise foi, la trompette, le saxo, même le piano sont des instruments de jazzmen noirs. La clarinette, c'est un truc de blanc. Et puis, ça ne se danse pas. Et c'est ce qui est assez paradoxal, parce qu'on pourrait penser que c'est votre héroïne qui est pétrie d'une histoire, hein, où il y a eu des génocides, enfin des drames absolus, ce qui n'est pas le cas de son compagnon qui a grandi en France. Et il prend un relais de revendication presque. Il s'approprie un combat qui peut être le sien, mais avec un emphase qu'on ne s'attend pas à trouver chez lui. Oui, mais ça revient exactement à ce dont on discutait avant. C'est-à-dire que j'ai dépeint deux personnages de métis avec des histoires différentes. Blanche, née, grandit au Rwanda. Elle parle le Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Elle arrive en France, elle est déjà. C'est une jeune femme. Elle sait d'où elle vient. Et même si d'où elle vient, elle a dû. Cet endroit-là, elle a dû le fuir pour ne pas être tuée. Elle a des racines ancrées quelque part. Samora, autre métisse, également élevée par sa mère seule, mais cette fois-ci sa mère blanche, grandit dans le Médoc et grandit avec un regard de la société qui lui dit tu es noir, alors qu'il ne connaît rien de son père antillais et il en souffre énormément, enfant, parce qu'on l'assigne à une identité alors qu'il voudrait être comme les autres. Et à un moment donné, il va y avoir une bascule, lui dit donc, moi je décide maintenant d'être noir et je vais l'être complètement. Sauf qu'il est complètement hors sol. Il n'a pas retrouvé son père martiniquais, il n'a pas pu apprendre le créole. Et donc il va se choisir un nom, mais un surnom africain. Il se fait appeler Samora comme Samora Machel, un des pères de l'indépendance, des indépendances africaines. Mais pas plus parce qu'il connaît l'histoire du Mozambique, juste parce que ses amis ont déjà pris Sankara, ont déjà pris Madiba, et donc bon, je vais me rabattre là-dessus. Et il va complètement s'investir dans cette identité noire par réaction, mais d'une façon tout à fait sans matière à proprement parler. C'est presque artificiel, entre C'est guillemets. artificiel, mais parce que c'est le seul endroit où il a l'impression qu'on le laisse être, puisqu'on ne le laisse pas être, on ne l'a pas laissé être français sans lui poser des questions de mais où tu viens vraiment, enfin tout ce genre de choses. Et finalement, c'est Blanche qui a vu jusqu'où pouvait aller le racisme fabriqué, entre guillemets, chez des gens qui, comme je disais, ont la même couleur de peau, la même langue, la même culture, la même religion depuis toujours. Et donc, elle a une sensibilité très particulière aux enfermements identitaires. Elle ne veut surtout pas ça pour leur fils. Et donc, elle va aller jusqu'à apprendre effectivement la langue de son fils, rentrer dans l'univers de son fils. Son fils s'intéresse à la musique classique, qui pour eux est une musique de blanc. Mais pourquoi? Enfin, toutes les questions, Oui. c'est pourquoi ils considèrent que c'est une musique de blanc. Et elle va rentrer là-dedans. Elle va l'accompagner pour justement lui dire, on ne va, on, tu ne, ne te laisses pas enfermer, c'est surtout pas nous qui allons t'enfermer. Et cette Et liberté, lui apprend la liberté, oui, effectivement. je vais faire en sorte, je vais me battre en tant que mère pour que tu puisses la voir et l'envisager. Mais C'est un en combat te maternel. permettant de faire le lien avec le Rwanda, de te sentir en France, d'avoir cet équilibre-là, De quoi. ne rien briser, en fait.
Et régulièrement, c'est vraiment ce qu'on va, on va voir chez les personnes, ce qu'on appelle, j'ai du mal avec cette expression, deuxième, troisième génération. Jusqu'à quelle génération est-ce qu'on est quand même, on est encore considéré comme immigré, qui n'ont pas ces racines auxquelles se rattacher quand on leur dit tu n'es pas d'ici, tu n'es pas un vrai d'ici. Et là se trouve la fêlure fondamentale. Alors, il y a la fêlure et ça nous fait rebondir effectivement. C'est bien parce que vous vous offrez des transitions mutuelles. Hein. On n'avait pas répété avant. D'ailleurs, est-ce que je peux rebondir à Mais... votre question, si vous permettez? C'est très intéressant parce que je crois qu'il y a une mauvaise conception ou une idée, comment on dit mauvaise conception, oui, une idée impropre chez beaucoup de gens, c'est qu'on s'imagine que les déracinés, ce sont les immigrés. Or, les déracinés, ce sont les enfants des immigrés. Les immigrés, ils ont des racines qui sont bien, bien dans les terres d'où ils viennent. C'est pour ça que le père de Marwan veut retourner au Maroc. Et les immigrés, en général, ne questionnent pas, c'est ce que disait Lou aussi, toutes ces traditions, ils ne questionnent pas leurs racines. En revanche, leurs enfants qui sont nés ailleurs, eux, sont déracinés. Et ils n'ont plus les racines du pays de leurs parents et ils n'ont pas de racines dans le pays où ils sont nés. Il faut qu'ils les creusent eux-mêmes. Et j'ai, pour filer la métaphore de la musique, c'est intéressant parce que je suis allé dans des lycées de la Seine-Saint-Denis la semaine dernière. Et partagé autour du livre, alors? Oui, dans le cadre d'un prix lycéen. Et j'ai rencontré, il y a un jeune homme qui a lu un texte et il expliquait, donc lui était moitié martiniquais, moitié métropolitain, je crois qu'on dit. Et il expliquait que cette île, il parlait de cette île dont il se sent détaché, il la déteste. Donc c'est intéressant parce que ça faisait le rapport avec mon personnage Ali. Il était vraiment dans la colère. Et il disait, je déteste cette musique zouk que mes parents écoutent. Et à l'issue de sa lecture, je lui ai dit, mais tu as le droit de détester la musique zouk. Ce qui est surprenant, c'est que tu peux détester la musique zouk parce que c'est la musique qu'écoute ton père. Et souvent, on ne veut pas. Ressembler. On veut pas et on n'aime pas la musique de nos parents, ou en tout cas, on veut se détacher de cette génération. Mais pour lui, c'était une musique héritée. Et ça lui faisait mal de, enfin, hériter culturellement. Et presque imposé, alors. Presque imposé, il devait l'aimer. Et de s'autoriser à ne pas aimer cette musique zouk, c'était une trahison, et il s'en voulait. Donc il y avait, c'était quand même extrêmement conflictuel en lui de ne pas accepter qu'il est possible qu'il n'aime pas cette musique parce qu'il n'aime pas cette musique. Et pas parce que, ou il la rejette simplement parce que son père l'aime et qu'il y a un conflit générationnel là-dedans. Et vous imaginez un peu tout ce qui tourne dans la tête de ce jeune homme, de se dire je trahis l'île de mon père en n'aimant pas sa musique. Et il m'a dit j'avais jamais imaginé que... En effet, je pouvais ne pas apprécier cette musique parce que c'est la musique qu'aime mon père. Moi, je lui dis, moi, je n'aime pas le disco. Hein. Mes parents écoutaient du disco. Je n'aime pas le disco et je m'autorise à le faire. Voilà. C'est donc le poids de l'héritage va et très présent. Très loin, oui. Et si on évoque peut-être avec beaucoup d'insistance ces questions, c'est évidemment parce qu'elles sont au cœur de notre table ronde, mais aussi parce que d'année en année, quand a lieu ce magnifique festival de Laval Lecture en Tête et qu'il y a du public en face sous le chapiteau, souvent à l'issue des tables rondes littéraires, et c'est un étonnement un peu que je partage avec vous, il y a toujours une ou deux personnes, quand on parle de livres qui ont trait aux origines, qui vient vous dire, écoutez, j'ai telle origine, je viens d'ici, qu'est-ce que vous en pensez, comment vivre avec. Et c'est, j'ai la chance de venir régulièrement au festival et à chaque édition, avec les auteurs, il y a toujours eu quelqu'un dans le public qui venait exprimer le mal-être qu'il avait avec ses racines. Et comme vous le dites très justement, Olivier, même s'ils étaient âgés, c'était des enfants. Et ça leur posait une équation presque à multiples inconnues. L'identité remarquable ne trouvait pas de résolution. Alors d'ailleurs, vous le dites hein, dans ce livre, votre héros Marwan explique bien, il dit « J'ai appris le pays de mes parents dans les livres, je connais... » tout de son histoire, sa géographie, ses spécificités, le protectorat, l'indépendance, Mohamed V, Hassan II, Mohamed VI, jusqu'à mon sujet d'agrès qui portait sur la transition énergétique au Maroc. Tout ce qu'on peut trouver dans une bibliothèque, je l'ai lu. Mais la vie de ma famille avant la France, je ne la connais qu'au travers d'anecdotes et de souvenirs de seconde main, un peu comme une veste d'occasion dont la coupe m'irait tant bien que mal, mais dont la couleur aurait fané. C'est justement cette quête de la couleur qui est... entre guillemets, le combat de votre héros. Et vous, Lou, dans votre livre, une fois que votre héroïne va franchir le pas et arriver au Laos, il y a aussi ce qu'elle ressent et cette conjonction compliquée à faire, c'est-à-dire qu'elle sait qu'elle ne
entre guillemets, ne fait pas couleur locale, même si le frère, son frère, est persuadé que de toute façon, il porte une sorte d'identité vietnamienne qui est en eux et que de toute façon, c'est comme ça. Ils ont beau habiter Cherbourg, ce sont les Vietnamiens de là où ils sont. Ils ont beau faire quoi qu'ils veuillent et ils seront toujours Vietnamiens. Elle se rend compte que quand elle revient au pays de ses origines, elle est à contre-temps. Ça aussi, c'est un élément qu'on oublie, c'est-à-dire qu'on est enfant d'un héritage qu'on va devoir assumer. Et quand on se retrouve, si j'ose dire, en situation, puisqu'on parlait de musique, il y a presque un désaccord intérieur. Oui, mon héroïne, contrairement à son frère aîné de 10 ans, donc son aîné qui a eu une enfance au Laos, elle n'a eu aucune enfance là-bas. Donc elle se trouve dans un double inconfort. En France, elle est étrangère de par son aspect, la couleur de sa peau. Et au Laos, elle est étrangère puisqu'elle a grandi en France. Et elle explique ça, ses premiers voyages au Laos, elle essayait de faire couleur locale. Elle essayait de se fondre dans la masse. Elle pensait pouvoir réintégrer de manière naturelle cet environnement et retrouver ses marques et retrouver une place qui aurait été la sienne s'ils étaient restés. Et c'est absolument pas ça qui se passe. Le pays a évolué, les choses ont changé depuis le départ, elle a changé aussi et elle sera toujours une étrangère, elle sera toujours comme une touriste. Et elle aura beau essayer de porter même les vêtements de sa grand-mère, ce sera comme un déguisement, ce sera comme quelque chose d'artificiel. Et on parlait du nom, on parlait du lieu de naissance, mais il y a aussi... le souvenir, il y a aussi le poids du vécu. Et ce poids du vécu change les personnes, enfin les détermine dans leur essence. Et mon héroïne, malgré sa génétique, malgré son nom, malgré tout, intrinsèquement, elle n'est plus une Vietnamienne. Il y a quelque chose qui se dégage d'elle, qui fait qu'elle est en décalage, quelque chose d'infime, d'indéfinissable, sa manière de bouger, sa manière de se tenir, qui fait que, de manière automatique, on la lit comme une occidentale. Et elle porte avec elle toutes ses influences. On parle de mémoire, on parle de souvenirs, et il y a évidemment des sources ou des points d'inspiration qui ont guidé votre livre. Et Beata, dans tous les enfants dispersés, il y a bien sûr cette présence du génocide. Et vous aviez cité lors d'une intervention un proverbe rwandais avec le couvercle de la mémoire qui me semble sonner assez juste, c'est-à-dire que comment on soulève ce couvercle de la mémoire. Je ne sais pas si vous pouviez nous redire ce proverbe, puisqu'on n'entend pas tous les jours du rwandais, donc c'est l'occasion jamais, mais qui porte peut-être un écho au livre que nous évoquons aujourd'hui. Oui, il est présent dans le roman, c'est un proverbe qui dit « Mutemelewishavu ni josi, le cou et le couvercle du chagrin ». Le Kinyarwanda est une langue qui est riche de beaucoup de proverbes. On parle aussi beaucoup par métaphore et il y en a autant dans ce qui est dit que dans ce qui est tu. Et donc oui, en même temps, ce dont parle mon roman, c'est aussi du fait que la langue rwandaise, mais la langue à un moment donné peine à dire... la vie d'aujourd'hui peine à dire ce que les gens sont devenus et donc il faut aller chercher les mots, il faut reprendre langue avec son existence, avec son histoire et moi je ne pouvais envisager de le faire que même si j'écris en français depuis le début de c'est mon premier roman, mais j'ai écrit aussi des recueils de nouvelles qu'avec cette langue rwandaise, ce Kinyarwanda-là qui est plus qu'une langue, qui est plus que des mots qu'on utilise pour se communiquer, qui est aussi une façon de voir le monde, une façon d'envisager les relations. Et donc c'est pour ça que dans mon roman, il y a beaucoup de Kinyarwanda, traduit parfois, parfois non traduit, parce que quand on commence à se raconter, la question aujourd'hui aussi, c'est comment... Enfin, on ne peut quelque part...
se rattacher à la mémoire, qu'elle soit traumatique ou pas, et à ses origines, que si on se raconte. Et si on se raconte aujourd'hui, si nous racontons nous-mêmes nos propres histoires, c'est aussi parce qu'on a longtemps été raconté par d'autres dans une langue qu'on ne maîtrisait pas forcément, mais qu'aujourd'hui, dans cette langue, on peut se raconter en y mettant aussi notre langue, en y mettant aussi nos imaginaires. Donc, alors je ne sais pas si je réponds à la question qui n'en était pas une, mais soulever le couvercle du chagrin, c'était, je trouve que souvent dans le Kinyarwanda, je vais trouver des formules ou des expressions ou des façons de voir qui résument très très bien ce que je veux. Et donc je l'amène dans le français. Et c'est ce que fait aussi Blanche, elle n'arrive pas à apprendre le Kinyarwanda à son fils en étant en France. Et donc Stockley grandit dans le français, mais à un moment donné, lui va faire le choix d'aller au Rwanda et d'apprendre le Kinyarwanda. Et le roman se termine aussi sur cette... c'est une boucle, quoi. C'est des retrouvailles, non seulement avec un pays, avec une famille, avec des traditions, avec une mémoire, mais aussi avec une langue. Vous avez dit effectivement que parfois, quand on parle des livres, on n'a pas forcément des questions. Et c'est vrai qu'avec vos livres, en tout cas, c'est un sentiment de lecteur, c'est presque une lecture impressionniste. On a parfois des impressions, comme dans un tableau de peinture, on voyage. Cela dit, il y a quand même une question qui arrive après tout cela. C'est est-ce que vous n'avez pas eu, et c'est valable évidemment pour vous tous ici aujourd'hui, depuis Lecture en tête à Laval, une réticence ou une peur d'écrire? Parce que, encore une fois, il y a le poids de l'histoire, et on voit que cette histoire du Rwanda, elle est encore actuelle. Récemment, il y a eu un rapport sur la question pour évaluer, expliquer, responsabilité française, ce n'est pas l'objet de notre table ronde, mais on voit que ce n'est pas un sujet qui est refermé. Ça met à mal aussi une certaine vision hyper positive de l'histoire, en disant, bon, ben, il y a eu la Shoah, puis après, ben, finalement, les choses ont repris leur cours, puis on s'aperçoit que non, ça peut revenir tout le temps, c'est une évidence de le dire, mais une sorte d'amnésie moderne nous le fait oublier. Est-ce que vous avez eu une réticence, une peur, parce que effectivement, après, votre héroïne va se retrouver au Rwanda, elle va se retrouver sur un lieu qui parle l'histoire, même quand elle va prendre le bus, quand elle est donc face à des acteurs rwandais, ils portent des questions sur qui elle est, d'où elle vient, où elle veut aller. C'est-à-dire que le moindre trajet, le moindre geste de vie quotidienne est source d'interrogation pour les Rwandais qui vont la recevoir. Alors, comment vous avez fait pour écrire? Est-ce que vous êtes un petit peu, vous avez oublié certaines choses? Enfin, il y a eu ce sentiment ou pas? Réticence, peur, parce que vous affrontiez un sujet complexe. Je dirais pas tant pour ce roman que pour mes recueils de nouvelles précédents qui portaient vraiment spécifiquement sur le génocide contre les Tutsis. Et j'ai commencé à écrire assez tard, à 30 ans passés. Mais avec l'idée que la fiction pouvait apporter quelque chose justement de l'ordre de l'universel. C'est-à-dire que les gens qui ont pu penser c'est une histoire africaine, ça s'est passé avec beaucoup, beaucoup de clichés, de caricatures sur ces gens s'entretuent depuis la nuit des temps, etc. Enfin, il y a quand même des choses assez... Oui, c'est-à-dire cette, depuis le départ, donc on ne peut rien changer, espèce de vision complètement statique. Oui, et puis de mes connaissances concrètes de l'histoire, mais... Des gens, j'ai eu cette expérience de gens qui disaient « je ne peux pas lire un témoignage parce que c'est extrêmement dur ». Et un témoignage, quand on le lit, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Quand on rentre dans de la fiction, et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de la fiction, qui est une fiction certes de témoignage d'une certaine façon, alors un peu moins dans ce roman qui porte moins sur le génocide contre les Tutsis, je dirais, mais la fiction pour moi c'était une façon de dire « je vais prendre les lecteurs et les lectrices par la main et je vais les emmener dans une histoire ». Des histoires de famille finalement qui sont des histoires universelles et à ce moment-là peut-être s'identifieront-ils et elles plus à cette histoire-là qui est une histoire humaine qui concerne l'humanité entière et pas en la lisant comme si c'était un fait historique arrivé à d'autres dans cette Afrique un peu que l'on regarde aussi encore avec beaucoup de clichés, de représentations, mais enfin, on a tous des représentations et des clichés les uns sur les autres. Mais quand il s'agit de l'Afrique, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de représentations et ce n'est pas pour rien qu'on sort encore des expressions comme cœur des ténèbres, ce genre de choses. Et donc, mon propos aussi, c'était de montrer, je pense que c'est ce que font les romans, ce que fait la fiction, la complexité. On voudrait toujours que ce soit simple. On soit simple, clair. Pourquoi
les uns auraient droit à des très grands romans, à la complexité, à des histoires personnelles torturées, et de l'autre côté, il y aurait des choses très très manichéennes, forcément, voilà, la femme africaine, ce genre de choses, quoi. Je ne suis pas militante quand j'écris, mais je suis tout à fait consciente du fait que quand on rentre dans des personnages complexes avec des histoires de vie individuelles, mais aussi le poids de la grande histoire et comment les gens vont évoluer avec ça, c'est aussi une façon de dire, regardez, il n'y a pas une seule façon de voir cette histoire. C'est aussi pour ça qu'au début, j'avais fait le choix des nouvelles, pour avoir des mosaïques, de montrer plein, plein de points de vue. Même dans ce roman, on a plein de points de vue différents, des générations différentes. C'est vraiment ça aussi mon propos. Et plus il y aura d'histoires venant de ce continent, de plus en plus de générations différentes, de pays différents, de coins du même pays différent, plus on pourra montrer cette complexité-là, qui raconte aussi la grande histoire, effectivement, mais qui la raconte à une hauteur partageable par des lecteurs et des lectrices du Chili, de Chicoutimi. Oui, il y a une part d'universalité. Et une part, bon, oui, voilà. Une part, et on sort de, comme vous le dites, d'un tableau manichéen. Et c'est valable aussi pour vous, Olivier, quand vous nous parlez du Maroc, parce que ça pourrait être aussi l'occasion de vous demander si vous avez hésité à écrire et aller jusqu'au bout de l'histoire, parce que, évidemment, vous qui nous suivez, vous aurez le plaisir de découvrir le livre et de sillonner ces rebondissements, mais vous ne donnez pas qu'une vision angélique du Maroc. Il y a certes des spécialités culinaires à base d'olives, c'est sympathique, un certain folklore, pas forcément une joie de vivre, hein, puisqu'il y a un personnage aussi qui va accompagner votre narrateur qui est lié au stylo, enfin au Baron Bic, mais on n'en dira pas trop, mais qui nous annonce presque que ça ne va pas être si heureux que ça. Vous avez même osé explorer l'histoire du Maroc à travers le destin des ancêtres de Marouane. C'est aussi une partie de pratique qui pourrait ne susciter que l'indignation. Donc ça, c'est à découvrir quand on voit ce livre. Mais vous avez osé le raconter factuellement, avec toute l'émotion que ça va procurer chez votre personnage. Donc est-ce qu'à un moment, en plus, en n'étant pas marocain, je fais exprès de le signaler, parce qu'on pourrait dire, mais quelle est sa légitimité à cet auteur? Est-ce que voilà, vous y avez un frein, ou vous avez complètement oublié, vous avez été guidé par vos personnages? J'ai été guidé par mes personnages, et je pense que cette histoire de légitimité ne m'a pas du tout traversé l'esprit, à vrai dire, mais mes éditeurs étaient un peu inquiets parce qu'il y a cette histoire d'appropriation culturelle en ce moment, et je trouve que ça va à l'encontre d'une forme de littérature qui, moi, me plaît, c'est-à-dire que j'aime la fiction qui parle de choses qui nous touchent, mais qui ne sont pas forcément qui on est. Alors, pardon, mais quand vous dites appropriation culturelle, pour qu'on soit bien clair, ça serait l'idée que, parce que je suis de Jupiter, j'ai le droit d'écrire sur Jupiter. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est quand même très réducteur. Ça veut dire que, parce que si on le mène à son paroxysme, je ne peux pas créer un personnage féminin, je ne peux pas créer un personnage qui n'a pas mon âge, je ne peux pas créer un personnage qui n'a pas mon métier. Enfin, ça devient ridicule. Et je crois que quand c'est bien fait, je suppose que je l'ai bien fait, parce que toutes les personnes d'origine maghrébine qui m'ont parlé de mon roman ont été plutôt dithyrambiques et flattées. Il y a même un monsieur qui m'a dit à Périgueux que j'avais trouvé les mots que lui ne pouvait pas dire. Parce que toutes ces histoires il n'y a pas de jugement dans mon roman. C'est-à-dire que mon personnage est parachuté là-bas et il est un peu un touriste parce qu'il retourne comme au Maroc. Comme le personnage de Lou aussi. Voilà, il retourne au Maroc les étés, mais pas régulièrement. Il parle mal le dialecte marocain. Il se sent tout à fait hors de son élément parce que lui, il est français, il parle le français. Il a une pensée française qui n'est pas tout à fait la pensée marocaine. C'est intéressant parce que cette poésie de la langue, comme vous la décriviez, je pense que le dialecte marocain a une poésie aussi qui est difficile à transcrire. Moi, je ne le parle pas, mais j'ai fait relire mon bouquin par une amie de Rabat et qui a mis un petit peu de cette poésie dans certaines expressions. Mais donc il n'y a aucun jugement. Mon personnage, il ouvre les yeux, il ne fait que décrire ce qui est. Donc je crois que c'est pour ça qu'on peut se permettre de... Quand il n'y a pas de jugement, quand il n'y a pas de jugement de valeur, quand il n'y a pas de critique gratuite, on peut se permettre de parler de tous les sujets. Là où on ne peut pas... Moi, je ne me serais pas autorisé à critiquer
des situations que je n'ai pas vécues. On ne peut parler que des choses qu'on a vécues si on veut les critiquer, je pense. Et mon roman est beaucoup plus sur les émotions que va ressentir Marwan. Et toutes ces émotions m'ont appartenu à un moment donné dans ma vie. Et une émotion ne peut être décrite, je crois, que si on l'a vécue, que si on a souffert ou qu'on a eu de la joie qu'elle peut procurer. On la décrit bien avec une vraie sincérité. Si on se met à inventer une émotion, je crois qu'on risque de tomber un petit peu à plat. Et rappelez-moi votre question, parce que je suis en train de Je partir dans une disais, non, digression. mais ça rebondit, vous suivez la trajectoire, on est là pour se perdre et pour se retrouver à la fin, sur le fait d'avoir une réticence à écrire, une réticence à raconter une histoire qui, vous parliez d'appropriation culturelle, qui, par définition, n'est pas vôtre au sens Non, je mais ne suis pas né là-bas, non, aucune etc., réticence. etc. Et à vrai dire, donc le bouquin se situe en partie au Maroc parce que la personne à qui je l'ai dédicacé est un ami, Ramzi, et c'est lui qui m'a offert ce thème parce qu'il a perdu son père il y a une quinzaine d'années d'un cancer, et son père voulait, donc Ramzi est né à Paris, et son père était de Salé au Maroc et voulait être rapatrié. Et pour Ramzi, c'était une claque dans la figure. Il ne comprenait pas. Il disait, mais ma mère habite ici, nous ne sommes pas une famille riche. Si ma mère veut aller sur la tombe de mon père, ça va nous coûter une fortune à chaque fois. Et j'ai discuté donc ça a créé une espèce de petite boule de neige en moi qui a pris de l'ampleur pendant 15 ans et sur des sujets qui me concernent tout de même. Et j'ai placé le roman au Maroc par hommage à cet ami, mais si cet ami avait été chinois, si cet ami avait été polonais ou portugais, peut-être que l'action serait déroulée en Chine, en Pologne ou au Portugal. Et c'est vrai ce que disait Beata, il y a, je crois, dans la littérature une recherche d'universalité qui fait que les tragédies ou les comédies humaines sont partageables quelles que soient nos origines, quel que soit notre vécu. Parce que nous avons une communalité, je ne sais pas si on peut dire ça en français, humaine. Oui, une identité Une humaine identité. Et je crois. qui transcende les Et dans frontières. les romans, les romans, pour moi, les plus beaux sont les romans justement qui font écho à cet humanisme, une fois de plus, sans jugement. Et c'est pour ça que l'appropriation culturelle, lorsque l'auteur fait œuvre d'humanisme, est un mauvais procès. Voilà, donc on voit que cela d'où je viens nous amène aussi à savoir où on va. Vous, Lou, est-ce que vous avez eu aussi cette réticence? Parce que, il y a un élément, on parlait des mots et de la langue, et c'est vrai que c'est très bien décrit aussi, Olivier, dans votre livre, la maladresse dont on peut être porteur quand on arrive dans le pays, qu'on n'a pas les bons mots pour parler à sa grand-mère, ou même d'ailleurs quand on se fait avoir par un cousin, on va se dire bah, il est chauffeur de taxi, on est de la même famille, puis on s'aperçoit que non, vous avez beau être le cousin de France, il va en profiter. Mais en tout cas, vous, dans votre livre Lou, les images jouent un rôle important, et d'ailleurs, si on fixe la couverture, eh bien, elle n'est pas du hasard, elle est issue de ce grand photographe Araki, c'est ça. Est-ce que, justement, votre héroïne, elle est photographe, elle a commencé à prendre les photos avec l'appareil des parents, c'est un rapport à l'image important, c'est aussi par cette peur des mots, peut-être, parce que la peur des mots peut empêcher d'écrire aussi. L'héroïne, c'est une héroïne de fiction, mais elle vient beaucoup de moi. J'ai mis beaucoup de moi dedans. Et ce rapport à l'image, je l'ai aussi. J'ai ce rapport fort à l'image parce qu'en effet, moi, quand je suis aussi arrivée en France à l'âge de 1 an, je suis arrivée aussi dans un environnement sonore qui était étranger. J'ai grandi dans une famille. Je suis née au Laos, donc j'ai grandi avec des sons laotiens ma première année. Ma famille parle le vietnamien, le chinois, donc le mandarin et le cantonais. Et j'arrive en France avec cette langue supplémentaire. Donc je grandis dans quelque chose de très complexe où tout se mélange, où il y a une espèce de mur de Berlin entre l'appartement familial et l'extérieur où on parle une autre langue, d'autres habitudes. Je pense que ma place la plus simple et la plus confortable pour moi, c'était d'observer, juste d'essayer de comprendre en regardant les gens, en regardant le monde. Et d'ailleurs, mon héroïne vit à l'âge de 5 ans un épisode très troublant où elle explique qu'elle fixe les arêtes du plafond
d'une image extrêmement voilà, simple mais fulgurante, où d'un seul coup, elle a le sentiment d'exister, le sentiment de coller à la réalité, et que c'est elle qui regarde ces lignes, et il n'y a que elle pour les voir à ce moment-là. Moi, cet épisode, je l'ai vécu aussi. Et ce sentiment d'appartenir au monde, hein, c'était d'abord par le regard. Donc, mon héroïne, elle se définit beaucoup par le regard qu'elle porte sur ce qui l'entoure. Il y a un autre épisode aussi qui, elle explique sa vocation de photographe, naît parce qu'elle tombe sur une pile de magazines. Et elle voit une série de photographies d'un photographe connu qui sont des paysages de désert, des lieux inconnus pour elle. Et ça lui donne envie de savoir ce que c'est, quel est ce monde étrange, étranger, peut-être dangereux, mais en tout cas qui est en dehors de l'appartement familial et qui l'attend beaucoup. Et pour se trouver, pour arriver à se définir et à définir sa place, elle devient photographe. Donc un métier où il n'y a pas de mots. Alors vous savez, Lou, Beata, Olivier, que nous sommes en lien finalement avec les gens qui ne sont pas là, mais qui sont de l'autre côté de l'écran. Nous allons donc avoir un instant magique. Nous allons faire appel à la voix magique qui va peut-être porter des questions venues de l'autre côté de l'écran. Alors, je crois que c'est Marie-Yvonne qui est au micro. Marie-Yvonne, bonjour. Est-ce qu'il y a des questions pour nos heureux écrivains? Alors, moi, j'ai une question à poser. On a parlé dans ce thème beaucoup de conflits, de chagrin, de honte, mais le mot apaisement, quand le trouve-t-on? Alors, qui veut, Beata, apaisement? C'est un beau mot, mais ce n'est pas un mot facile à atteindre. Le mot apaisement, il arrive avec la résurrection des mots, comme je dis dans mon roman, c'est-à-dire quand on arrive à se parler, quelle que soit la langue, quelle que soit... Et je trouve ça très beau aussi qu'aujourd'hui, cette rencontre soit aussi retransmise en langue des signes. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une question de mots, ce que disait Lou sur l'image avant. C'est quelle que soit la façon, à un moment donné, qu'on arrive de nouveau à se reconnecter, à se parler, à se toucher. Et aussi peut-être à retourner de façon libre. C'est-à-dire en étant en capacité de retourner là-bas, de revenir ici. Et Dieu, si aujourd'hui la question des frontières peut être très, très compliquée, mais pour moi c'est ça, l'apaisement vient avec les mots, avec la communication, avec les gestes, avec on est de nouveau ensemble. Et être ensemble, ce n'est pas seulement être ensemble avec l'autre, c'est être ensemble avec soi-même. Je pense que c'est dans les ailes du désir, ce film, où à un moment donné, il y a... Je ne parle pas bien l'allemand, je ne sais pas si « ich bin zusammen », je suis ensemble. Être de nouveau entier soi, et aussi dans le regard de l'autre. L'apaisement, Olivier, il vient quand? Écoutez, je ne suis pas certain qu'il vienne jamais, mais disons que oui, l'apaisement avec les autres, il est possible grâce à la communication, je suis totalement d'accord, il faut parler. L'apaisement avec soi-même, parfois je crois qu'on ne le trouve jamais. Il faut passer par une phase d'acceptation, qui commence avec d'abord du rejet. Moi, je pense que la honte est un sentiment qui est tellement subtil qu'il est parfois difficile de le déceler et qu'il y a toujours une honte. Mais même moi, hein, qui viens d'une famille qui n'est pas... qui est immigrée, mais ce n'est pas du tout de la même manière. C'est quand même une famille européenne qui est restée en Europe et qui n'a pas eu les mêmes stigmates. Mais la honte, elle existe tout de même parce que les autres nous la renvoient constamment. Et on peut faire la paix avec les autres. La paix avec soi, ça prend plus de temps pour trouver cet apaisement. Et c'est l'acceptation de qui on est. Mais que ce soit une identité, comme je disais au début, religieuse, sociale, c'est difficile, hein, de changer de classe sociale. Parce qu'on est rejeté par la classe sociale d'origine et par la classe sociale à laquelle on aspire d'accéder. Sexuel, c'est quand même pas évident d'accepter sa condition sexuelle. Voilà. Et est-ce qu'on trouve cet apaisement un jour? C'est ce qu'il faut espérer. Je crois que ça peut être l'œuvre d'une vie, en effet. Oui. Lou, vous voyez comment cette dimension de l'apaisement, peut-être pour vous, pour votre héroïne?
Pour mon héroïne, elle trouve l'apaisement quand elle échappe à la fiction familiale, aussi bien aux mythes familiaux qui ont été construits pendant cet exil, la comédie familiale que se jouent les membres de sa famille, qui sont plus de l'ordre du réflexe ou des conventions, mais qui ne répondent pas à des sentiments vraiment sincères. Elle brise toutes ces fictions familiales pour accéder à ce que sont les gens eux-mêmes, ce que sont les gens qui l'entourent, son frère, sa mère, mais aussi ses grands-parents. Et même sa grand-mère défunte, elle arrive enfin à accéder à elle en accédant à son histoire de femme, en prenant connaissance de ce qu'elle a vécu en tant que femme, et en comprenant mieux ce que sa grand-mère a traversé, et tout, oui, les douleurs, les peines, mais aussi les bonheurs qu'elle a vécu. L'apaisement vient avec l'amour partagé avec sa famille, la capacité de le leur dire, de le leur montrer. Voilà. Après, l'apaisement. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose de durable. En effet, je suis d'accord avec Olivier. Il y a des choses qui relancent le débat, qui relancent les questions En permanence, en fait, on se reconstruit en évidemment. permanence. Mais je trouve ça très bien, en fait, l'inconfort. L'inconfort, c'est une source de questionnement, c'est une source de travail aussi. On essaye de grandir tout le temps, d'évoluer, de résoudre ces énigmes. Et c'est comme un horizon qui nous fait avancer. Ça peut être un moteur, c'est vrai. Ah, c'est une belle conclusion, on va devoir conclure, je crois. Je me retourne vers l'équipe technique, mais peut-être que c'est le moment ou jamais. Beata, est-ce qu'il y a un auteur rwandais, puisqu'on ne sait pas qui verra la vidéo aujourd'hui, demain, après-demain, que vous conseillez à ceux qui nous suivent, puisque on n'en parle pas tout le temps de la littérature rwandaise, qui, voilà, des livres qui nous plongeraient, comme vous l'avez dit, au-delà d'une vision soit trop journalistique, soit hyper standardisée. Il y a des noms qui vous viennent? Je pense à Dorcy Rugamba, qui est plutôt dramaturge, mais il y a eu un recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelles du Rwanda chez Magellan et compagnie, où on peut voir justement plusieurs voix rwandaises d'aujourd'hui. Il y a également des jeunes qui sont dans ce recueil. Donc, Un beau conseil de Nouvelles du lecture. Rwanda. Olivier, il y a comme ça un livre qui vient. D'auteur marocain ou... Pas forcément, puisqu'on est. On se fend. Écoutez, je pense que, bon, je peux parler de littérature anglaise rapidement, mais je pense que tous les livres d'une auteure anglaise qui s'appelle, je sais pas comment on dit en français, Zadie Smith, Zadie Smith. Zadie Smith en anglais, mais Zadie, je suppose, sont bons à lire. On apprend toujours quelque chose, et justement sur ces conflits identitaires et sur cette acceptation de soi-même, oui. Et Lou, alors, vous conclurez ces voyages d'ivresse que proposez? Moi, il y a un livre que j'ai adoré qui s'appelle Un père sans enfant de Denis Rossano. Ça parle de l'histoire de Douglas Sirk et de son fils caché. Et c'est comme aussi un retour aux origines, un retour, mais pas en retrouvant ses ancêtres, mais en retrouvant son enfant. Voilà, c'est une belle conclusion. Il s'agit de se retrouver. Et comme vous l'avez vu aujourd'hui à Lecture en tête, grâce au livre, il n'y a pas de passeport. Les frontières peuvent être franchies. Il ne tient qu'à votre pouvoir de lecteur que d'écouter les personnages de nos romanciers. Merci également à Sabine et à l'association Qu'est-ce t'en dis? Qui, comme vous le soulignez, Béata, a donné une autre dimension à ce que nous avons dit, puisque les mots sont devenus signes. Ce que nous avons échangé va devenir dans quelques minutes un replay sur YouTube, selon la formule consacrée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Lecture en tête, ainsi qu'aux autres réseaux sociaux. Et le festival continue et nous terminerons par ce beau mot de merci et le fait aussi que vous nous racontez beaucoup de la géographie intérieure, qui est sans doute la géographie la plus mystérieuse. Merci beaucoup à vous d'être venus et vive Lecture en tête.